Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Donc aujourd'hui, on est encore chez Sébastien Wartel, wartelshop.de. Et aujourd'hui, Sébastien nous présente des nouveaux produits qui sont arrivés. C'est des accus lipo. On va tout de suite te laisser parler pour les présenter. Ouais, bonjour, déjà bonjour. Oui, on vient de recevoir en fait, bon, vous savez déjà qu'on fait une gamme de produits depuis 3 à 4 ans avec toute une gamme de batteries. On continue d'évoluer la gamme. Là, maintenant, on vient de sortir les accus 4S avec prise 5 mm. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez les accus avec les fils. Maintenant, on passe aux accus avec les prises 5 mm. Donc, on est parti sur les mêmes cellules qu'avant, les mêmes capacités qu'avant. Donc, on a un 6575C qui est à 85,90€, qui suffit largement dans la plupart des compétitions. On a un 7500 en 80C qui est à 94,90€. On a un 8000 en 120C qui est à 109,90€. Et on a un 9000 en 120C aussi qui est à 124,90€. Alors, on a du choix. Ouais, là on a vraiment du choix. Et d'ici quelques semaines arrivera aussi le 6300 en low profile. Donc pour voir un petit peu alléger les voitures. Alors low profile veut dire un peu plus bas en hauteur. Exactement. Donc avantage inconvénient de ces accus. Bon, évidemment l'avantage c'est que dans la voiture vous n'avez plus de prise qui se balade. Hein, ça c'est quand même bien pratique. Oui, on a plus ça qui va se balader. Voilà, exactement. Donc ça c'est un plus. Moins de risques avec les prises qui se baladent et puis surtout une implantation dans la voiture qui est beaucoup plus propre. Maintenant, en termes de fiabilité, c'est pas plus fiable. Il faut pas croire que c'est plus fiable. Ça ici, vous avez un contact ici, les fils sont soudés directement dans les cellules. N'importe quel accu comme ça avec les bornes, vous avez la cellule, un bout de fil, une prise qui est soudée à l'intérieur. Et donc, vous avez un deuxième contact avec votre prise que vous allez enfoncer. Donc, quand vous utilisez ces batteries-là, surtout prendre des prises de qualité pour rentrer dedans, pour éviter les petits arcs électriques. Donc, le gros plus, comme moi je trouve, c'est effectivement avoir des installations dans les voitures beaucoup plus propres. Alors, vous allez remarquer que ici, vous avez évidemment le plus, le moins. Mais on a remis au-dessus, avec les couleurs aussi, le moins, le plus, pour éviter les inversions de polarité. Oui, puisque c'est au final, c'est le risque de ce type d'accu. Exactement. À peut-être à éviter de mettre entre les mains des débutants. Voilà, ça clairement, c'est une gamme qu'on va vendre à des gens qui font de la compétition. Enfin, je ne vais pas mettre ça dans les mains des pilotes qui font du loisir. Alors après, au niveau de la gamme, répartition de la gamme, le 6006, parfait en tout terrain. 7005, parfait en tout terrain. À partir du 8000 et du 9000, parfait en tout terrain. Parfait aussi en Truggy et aussi parfait en rally game. Par exemple ici le 9000, on commence à tomber quand même dans les grosses capacités. 120C, 9000 en rally game, ça vous permet de faire l'autonomie. Oui. C'est pour ça qu'on a cette gamme là qui est complète. Je n'ai pas sorti qu'une batterie, mais on a sorti la gamme complète. Donc vous avez maintenant sur le site la gamme complète en prise 5 mm. Vous avez la gamme complète en prise EC5. La gamme complète en prise XT90 et la gamme complète en prise DIN. Ok, donc ceux-là, tu les appelles sur ton site, ça s'appelle gamme 5 mm. Alors, je vous dirais que pour l'instant, je ne les appelle pas sur le site puisque c'est vraiment tout nouveau. Tony est arrivé cet après-midi, c'est rentré ce matin. Ok. Donc, ils ne sont même pas encore créés sur le site, c'est vraiment de l'avant-première. Je ne l'ai même pas encore mis, moi, sur la page Facebook. Mais effectivement, ça sera prise 5 mm. Okay. Pour les gens qui veulent les acheter, ils vont certainement t'acheter les prises, moi je les appelle des prises PK. C'est ça, type PK. Tu vas les classer dans quelle partie sur ton site, dans VSI? Alors de toute façon, on les mettra en article associé. Ok. Et puis après, bah, il suffit de taper sur le moteur de recherche prise 5 mm et vous tomberez de toute façon dessus. Est-ce qu'elles sont fournies avec un accessoire pour l'équilibrage? Oui, oui, tout à fait. Alors, dans chaque accu, vous avez le cordon pour pouvoir charger. En DIN, ok. En DIN. Et le cordon d'équilibrage pour pouvoir brancher votre cordon directement dessus. Super. Donc sur chaque accu, c'est libre. D'accord. Donc c'est parfait. Voilà un petit peu comment se présentent les. Ouais, donc le cordon, vous viendrez mettre ici. Batteries. Voilà, tout à fait. Donc là. Hop. Bon, on va mettre dans le bon sens tant qu'à faire. Non, alors c'est bon. C'est peut-être de l'autre côté. Comme c'est là. Voilà. Voilà. Voilà, et ça sur votre chargeur. Voilà, sur le chargeur. Donc vous pouvez mettre une rallonge. Hein, et ça vous permet aussi de mettre votre testeur. Voilà, exactement. Là, ici, connecteur plus et moins. Ok. Donc voilà un petit peu les nouveaux produits. Donc qui sont au même prix
que les accus avec prise et fil. Alors, si on va répondre donc, on est sur des prix très raisonnables. Oui, les prix, on va juste rappeler le minimum et le maximum. Alors, donc le 6600 est à 85,90€. Le 7500 est à 94,90€. Le 8000 à 109,90€. Et le 9000 à 124,90€. Ok. Alors, moi, je roule avec les 7500 VSign depuis que j'ai repris en 80C. Et pour ceux qui se posent la question de l'autonomie, j'ai fait des quelques courses avec et j'ai fait des finales de 10 minutes avec un moteur 2000 kW et j'ai jamais eu souci d'autonomie. Moi en compétition, la plupart de mes accus sont les 7005. Et sur une piste comme de Lémine, je fais 16 à 17 minutes d'autonomie. Donc on a de la marge, hein, y a aucun souci là-dessus. Hein. Ça m'est arrivé à l'entraînement de rouler 20 minutes. Hein. Ouais. Ce qui est quelque chose à éviter de faire pour la durée de vie des batteries d'ailleurs. Mais on fait tous la même chose. Non, mais à l'entraînement, des fois on parle, on s'arrête. Voilà, voilà exactement. Donc, voilà un petit peu les nouveaux produits. Eh bien, merci Sébastien. Et puis, ben, je mettrai le lien associé en dessous de la vidéo. Ouais, pas de problème. Voilà. Merci Seb. Au revoir. Au revoir.